Bonsoir, chers compatriotes gabonaises et gabonais. Me voici devant vous pour une nouvelle vidéo. Vous avez constaté mon absence, que ce soit sur les réseaux sociaux et le débat politique depuis quelques jours, c'est dû au fait que j'avais pris des vacances. Et puis en même temps, j'ai pris du recul, j'ai pris un peu de recul par rapport à. Vous savez, quand on vous. Quand, il faut savoir que lorsque l'autre vous donne un coup, il faut reculer pour mieux sauter. Alors, aujourd'hui, cette vidéo s'adresserait tout naturellement au peuple gabonais, déjà, de manière générale, mais beaucoup plus aux leaders de partis d'opposition, membres de la société civile, responsables de syndicats et leaders de la diaspora. Mais avant, je vais m'adresser à nos frères PDGistes. Parce que le PDG, ce sont des Gabonais qui sont au PDG. Je me bats pour la chute du régime PDG. Nous allons l'obtenir. Mais les PDGistes, dans leur majorité, sont des Gabonais. Et ils ont le droit de s'impliquer dans le débat politique de leur pays. Donc, malgré nos divergences, ça reste des frères gabonais. Et j'ai plein de parents et amis dans ce parti que je combats. Chers frères et sœurs PDGistes, frères et sœurs gabonaises, appartenant au parti PDG, mais gabonais, l'heure est grave. L'heure est extrêmement grave. À cause de vos petits intérêts personnels, vous acceptez de vendre notre pays, de nous laisser coloniser par des étrangers illettrés, tels que Seydou Kane, Meksa Akrombessi et tout ça. Oui, je confirme que Seydou Kane, c'est un illettré parce que je le connais personnellement. Qui vient dire qu'il ne connaît pas Landry? Que Seydou vienne dire qu'il ne connaît pas Landry. On se connaît, Seydou. Mais je ne vais pas parler de lui. Il n'a jamais parlé de moi publiquement encore pour le moment. Et d'ailleurs, il ne le fera même pas. Sinon, je vais le dégonfler. Alors, donc, vous acceptez que ce pays soit colonisé ou recolonisé par des étrangers illettrés? La situation est grave. Ayez un peu un sursaut patriotique. Aimez-vous le Gabon? Vous avez peur de quoi? Comment se fait-il que vous puissiez être et soutenir quelqu'un qui n'a même pas de contrôle sur lui-même? Oui, Ali ne se contrôle pas. Il n'a pas de contrôle sur lui, il n'a pas le contrôle de son foyer. Sinon, comment expliquer que son père, le grand frère de son père, Monsieur Ndjoua, dont son père adoptif, Monsieur Bongo, respectait, d'après les informations que j'ai, Bongo n'avait jamais parlé au-dessus de Monsieur Ndjoua. Monsieur Ndjoua appelle Ali. Mon fils, viens, je vais te parler de père en fils à deux. À deux. Monsieur Ali Bongo prend l'avion nuitamment pour aller rencontrer son père. Et à la descente d'avion, qui on voit en premier?
Mais ça, à Colombie-Ci. Si un père ne peut plus parler à son fils à deux, si le père ne peut plus parler à son fils, si le fils ne peut pas dire à son ami ou je ne sais pas, son amour, je ne sais pas, I don't even know, je suis désolé, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'a Colombie-Ci? Qu'est-ce que... Ah, hey, je suis dépassé. Si le père ne peut plus parler à deux, à son fils, il ne peut plus écouter son père sans que son ami soit là. Mais attendez, ce n'est pas tout. Son épouse, Sylvia Bongo, je vous défie de venir me traiter de menteur. Son épouse, Sylvia Bongo, qui a besoin de certaines choses. Son mari lui dit, va demander à Mexan. Donc la femme, pour obtenir quelque chose de son mari, il faut qu'elle aille demander à Mexan à Colombie-Ci. Non, sérieusement, hein, à Colombie-Ci, chapeau. Je te tire ma révérence. Bon, tu es fort, mon frère. Je ne sais pas. C'est le vaudou, là, moi, je ne crois pas à ton vaudou. Ton vaudou, là, you know, you can shove it. Fuck that vaudou. Tu comprends? Non, ça n'existe nulle part. Tu ne trompes que les gens comme Ali. Je dis bien, fuck ton vaudou. Espèce de chien. Mais, vraiment, je ne sais pas quel est le degré de lavage de cerveau que tu as fait à l'enfant de Bongo, là. Non, mais tu es fort. Donc même la femme à la maison ne peut plus avoir l'argent de la popote. C'est à Colombie-Ci qui doit décider si on donne à Sylvia Bongo l'argent de la popote ou pas. Sylvia, viens dire si je mens. Je te défie. Hey, votre téléphone là, nous on écoute ça. Hein? Excusez-moi, c'est pas de la comédie, mais je suis dépassé. Non, excusez-moi, chers compatriotes, c'est très sérieux. Je ne fais pas de la comédie, mais je ne sais pas ce qui peut me pousser, moi, Landry Amiens, ou bien comment une femme, comment, anyway, en tout cas, c'est leur cuisine interne. Ce que je vais faire comprendre à mes chers frères pédagogistes, c'est que. Vous soutenez quelqu'un ou un régime comme ça. Quand même, mes chers frères. Mes chers frères, je vais aller plus loin. Un président africain vient rencontrer Ali. Il veut le voir à deux. Le mec ça est là. Il dit, ben, je veux te voir à deux. Le mec ça est là. C'est grave. C'est grave. C'est grave. Si c'est le Mourangou ou quoi là, je ne sais pas, mais c'est grave. C'est grave. Il est important que nous libérons notre pays, mes chers frères pédagogistes. Rejoignez-nous dans la libération du pays qui est en train d'être colonisé par une clique d'illettrés étrangers dont le seul souci est de nous piller, qui n'ont aucun amour pour le Gabon, aucun respect pour les Gabonais. Vous, ils rient avec vous parce qu'ils profitent de vous. Ils rient avec vous parce qu'ils vous utilisent. Surtout toi, Nenès Mpo. Surtout toi, Hervé Mpianga. Oui, toi, Hervé. Oui, toi. Hervé, je parle de toi. Tu me fais honte, mon beau-frère. Tu me fais honte. Après tout ce que tu as subi, tu
crois que tu es loyal à Ali. Tu n'es pas loyal à Ali. C'est à Krombesi. Et le jour où il aura l'occasion de te foutre dedans, il va te mettre dedans. Sans pitié. C'est toi qu'on envoie aller faire les sales choses. Je cherche ton livre, je ne sais pas où j'ai mis ça. Parce que je ferai une vidéo avec ton livre. Et la vidéo serait spécialement sur tout ce que tu as écrit sur ton livre. Et je vais faire republier ce livre-là. Et le distribuer, même là où vous l'avez fait, vous l'avez enlevé du marché. On va faire republier ce livre-là. Et il va être vendu. Tu vas me porter plainte, il n'y a pas de problème. Ali Ben, ton fils, c'est lui qui va payer. Notre fils, c'est lui qui va payer. Pour la plainte-là. Il va payer pour son père que je suis, comme tu es son père. Donc, vraiment, chers compatriotes, pédégistes, ça ne va pas. Vous-même, vous savez que ça ne va pas. Jusqu'où voulez-vous faire semblant? Les Gabonais en ont marre. Ça va exploser. Je vous dis la vérité. Ça va exploser. Et ça va sentir mauvais. Ça, c'était pour mes amis pédégistes, mes frères et sœurs. Quant à mes frères de l'opposition, M. Jean-Ping, M. Zakari Miboto, M. Jean Irendon, M. Baudet Soguri-Guende, M. Richard Moulomba, M. Jean Kadier, non, M. Francis Obam, M. Moukani Wangou, M. Marco Naïsangui, M. Marcel Ibama, Mme Paulette Oyanundo, Mme Flavienne Adia et non, Mme Paulette Misambo, M. Pierre-André Kombila Kumba, M. Bruno Ela, M. Curtis Mabika, M. Daniel Mengara, M. Jean-Aimé Mouketou, M. Joël Biamani Tcholéré, Patrick Ambamani, Alain Serge Obam, Célestin Olomo et là, Jules Florent Eya, Franck Joktan, M. Marcel Djabio, M. Marcel Bico, etc. Parce que je ne peux pas citer tous les combattants. Monsieur les leaders des syndicats et des associations politique. Notre pays est en danger. Vos revendications légitimes à Krombesi n'en a qu'à foutre. Rien de bon ne se fera au Gabon tant que Bongo sera au pouvoir. Rien de bon ne se fera au Gabon tant que Bongo sera au pouvoir. Donc, la revendication ultime est la chute de ce régime par sa tête, Ali Bongo Ondimba, et Meksan à Krombesi. Parce que Monsieur Ali Bongo Ondimba ne gère même plus rien. C'est Meksan à Krombesi qui gère. Et Monsieur Ali Bongo vous dit bien que vous le voulez ou non, Meksan à Krombesi va vous gérer. Et Meksan à Krombesi ne gère que pour ses intérêts. L'agrocolonisation du Gabon par le Bénin. Par des illettrés. Béninois et Ouest-Africains, tels qu'à Bertrand Krombesi, c'est Edoukan et consorts. Monsieur Miboto, Monsieur Jean-Ping, Monsieur les leaders des partis politiques, vos calculs, vos petits calculs, nous sommes au courant.
Laissez-les. Ça ne marche pas. Ça ne va pas à votre avantage. C'est pas à votre avantage. Parce que lorsque vous faites des petits calculs que tel ne veut pas faire ça parce que chacun se dit, si moi je dépense de l'argent, moi je dois prendre la présidence. Ou je dois placer mon fils ou mon neveu ou mon beau-fils ou je ne sais pas trop qui ou quoi là. Pendant que vous faites ces calculs, la misère des Gabonais s'accroît, la Kombesi continue à voler de l'argent, le pouvoir s'enracine par la force. Et la colère des Gabonais, grâce à certains autres leaders, s'accroît. Vous pouvez ne pas le voir, mais il y a un tsunami qui est en route. Et ce tsunami-là, si vous ne faites pas attention, risquerait vous aussi de vous emporter. Si vous n'êtes pas assez clair. Si vous continuez dans vos petits calculs de politique politicienne. En ce moment, une chose doit nous unir. La chute d'Ali Bongo et Maxence Kombesi à la tête du Gabon. Nous irons à la conférence nationale. Nous allons nous parler parce que je suis contre. Je ne suis pas pour la chasse aux sorcières. Je suis pour que les Gabonais se parlent. Que ceux qui ont volé l'argent du Gabon restituent. Peut-être pas l'intégralité, mais une partie. Ceux qui ne voudront pas restituer, on trouverait moyen de faire en sorte qu'ils restituent cela. Et ceux qui... Le peuple sera très reconnaissant envers ceux qui l'auront aidé à se libérer. Même si ces personnes ont appartenu au régime précédent, même si ces personnes ont contribué à la misère dans laquelle ce peuple se trouve, ce peuple sera très reconnaissant. Mais le peuple ne fera pas de cadeau à ceux qui l'ont tourné en bourrique et qui continuent à le tourner en bourrique. Chers grands frères et sœurs, chers leaders de partis politiques, unissons-nous. Unissons-nous. Travaillons ensemble. Mettons ensemble une stratégie. Arrêtez de faire croire aux Gabonais que vous avez une stratégie lorsqu'il n'y en a pas. Lorsqu'en fait, votre stratégie, c'est que vous comptez sur le peuple. Vous comptez dire, allez-y, et puis le peuple va comme des moutons. Les Gabonais ne veulent plus être pris pour des moutons. Les Gabonais ne veulent plus être pris pour des moutons. Donc vous faites vos plans dans la chambre, et puis vous venez dire, allez, on y va. Non, non, people don't want that. Les gens ne veulent plus de ça. Si vous voulez libérer le pays avec des Gabonais, dites-le-leur ouvertement. Dites-leur ce que vous attendez clairement. Dites la vérité. Dites la vérité aux Gabonais. Ce qui s'est passé le 20 décembre. Non, ce qui ne me concerne, ne m'a pas surpris. Et pour certains avec qui j'ai discuté, je ne citerai pas les noms, en privé, avant cela, j'ai dit que si c'est comme ça que vous allez faire ça, ça ne va pas marcher. Depuis, je peux dire l'âge de 10 ans, 11 ans, 12 ans. Vous pouvez vérifier auprès de ma famille. Je suis très impliqué dans le débat politique. Depuis le moment où j'ai assisté
à l'exécution des compatriotes à Orlando. Je réfléchis sur les stratégies de libération de mon pays. Tout ce que j'ai fait entre-temps n'est pas le fruit du hasard. C'est pas le fruit du hasard. Vous prenez vos responsabilités. Si vous ne voulez pas les prendre, il n'y a pas de problème. Comme je l'ai dit à certains, avec ou sans vous, nous allons libérer ce pays. Avec ou sans vous, nous allons libérer ce pays. Chers compatriotes, chers jeunes Gabonais, si les grands ne veulent pas nous écouter, si les grands veulent continuer à persister dans leurs petits faux calculs qu'ils ont, moi je vous appelle ça des faux calculs, on va les laisser. Ne les regardons plus. Moi, je donne encore une dernière chance. Je vais voir durant ces quelques mois comment certains se comportent, comment certains agissent. C'est dommage. Tous les jeunes se plaignent que vous ne leur faites pas assez confiance. Monsieur Ping est arrivé avec des bonnes intentions. Mais je crois qu'il est rentré lui aussi dans ce truc d'élitiste. Ou d'élitisme. Excusez-moi le terme en anglais. Je ne sais pas comment vous dites ça en français. C'est-à-dire que bon, les élites qui élaborent des plans et puis après. Voilà. Donc, on ne peut pas trop écouter Monsieur Landry Amiang. Bon, Landry Amiang n'a pas de doctorat. Il va nous dire quoi? Mais les docteurs, les agrégés, les machins, il y en a au Gabon, on parle, je ne sais pas combien. Voilà Bongo, voilà des illettrés, c'est Doukan qui est en train de gérer le Gabon. Voilà, la Colombie, c'est nous, tous ces gens. Les voici. Les gens qui sont en train de gérer le Gabon. Les jeunes qui sont sur le terrain se plaignent. Moi, je vous le dis. Le meeting, vous appelez au 20, là. Je ne pense pas qu'il y aura beaucoup de monde. Beaucoup se sont découragés et il n'y a pas une vision claire. Il n'y a pas une vision claire de votre part. Asseyons-nous. Vous avez des gens au Gabon qui travaillent bien. Marcel Libama, par exemple. Est-ce que vous pensez-vous discuter assez avec Marcel, avec Marcona et les autres? Bref. De toute manière, j'ai de l'amour pour le Gabon. Les ennemis du Gabon, qu'ils soient de la majorité ou de l'opposition, sont mes ennemis. Des erreurs ont été commises. Sachez le reconnaître. Sachons le reconnaître. Il faut mieux se préparer. Préparons-nous mieux. Rien n'est perdu. Parce que, tout simplement, en face de nous, nous avons la pire des idioties. Ali est un idiot, il est bête.
Parce que, avec ce qui s'est passé le 20, si j'étais à sa place, j'aurais tué l'opposition. Pas avec les armes, comme il a fait. Non. Mais comme il est bête, c'est un idiot. Il pense que tout c'est la force. Ou bien aller faire les photos avec les grands du monde et tout ça, c'est tout. Il est bête. D'abord lui-même, et je te le dis, allez, tu es toi-même, tu es ton premier ennemi. Bête, une bête. Je te le dis, tu es bête. Tu es bête. Donc, mes chers compatriotes, unissons-nous. J'insiste, je persiste. Je ne le dirai jamais assez. Lorsqu'Ali mate les leaders de l'opposition, nous ne pouvons pas rester là et dire, ah, c'est leur problème. Prenez pour exemple, la majorité des gens qui ont été arrêtés, ils ont été arrêtés chez eux, dans leur domicile, pendant qu'ils regardaient leur télé, pendant qu'ils vaguaient à leurs occupations, dans leur domicile. On est allé les arrêter à la maison, sans mandat. Parce que Ali et Akombessi, ils n'ont rien à foutre des droits des Gabonais. Vous dites que vous ne faites pas la politique. Ah, qui se bat entre eux? Monsieur Mabig Macombil, qui se bat entre eux? Dis-moi. Voilà, on est venu vous tabasser chez vous, non? Ma chère compatriote, là, qui m'a envoyé le message, je ne vais pas dire son nom ici. Hein? Souvent, quand on parle, ah, moi, je ne fais pas la politique. Mais voilà ton frère qu'on a pris à la maison, non? Il fait la politique. Mais vous la fuyez, elle viendra, elle va vous rattraper. Nous devons tous nous unir pour mettre un terme à ce régime. Unis, ces gars ne peuvent rien nous faire. Ces gars ne peuvent rien nous faire unis. Unis, nous mettons un terme à ce régime. Unis, ils vont fuir. C'est nous qui allons les poursuivre. Tant que nous serons unis. Mais tant que nous restons dans la division, ils vont nous matraquer un à un. Quel que soit qui nous sommes. Ceux qui font le petit calcul, parce qu'ils cherchent à préserver ceux qui nous ont pris, ils ont beaucoup à perdre. Comme certains qui disent que oui, vous savez tout ce que j'ai à perdre. Mais vous finirez par les perdre. Parce que pendant qu'on fait des petits calculs et que le régime continue, à un moment, quand il n'y aurait plus, il sentirait qu'il n'y a plus assez de résistance. Maintenant, il va maintenant attaquer. Lorsqu'il aurait fini avec des gens comme nous, ben, parce que moi seul, ou nous seuls, nous ne pouvons rien. Mais lorsqu'il aurait fini avec des gens comme nous, ils viendront violer vos enfants dans les maisons. Devant vous, et ils vont vous dire, vous allez faire comment? Vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi? Le combat pour la libération du Gabon n'est pas une affaire de certains individus, de certains compatriotes. C'est notre combat à nous tous. Nous devons tous nous impliquer. Nous devons être unis. Nous ne devons pas assister silencieusement au matraquage des autres. Pendant qu'on tape les autres, nous nous sommes là en disant ça ne nous regarde pas. Lorsque le syndicat de la SCG descend sur le terrain pour gréver, ah, il n'a qu'à gréver, de toute manière, ça ne nous regarde pas. Lorsqu'on va taper les étudiants, ah, en tout cas, ce n'est pas mon enfant qu'on a tapé.
Mais demain, ce sera le tien. Parce que si on vient déjà jusqu'à prendre les gens dans leur domicile, donc, elle a quand même été assez longue cette vidéo. Il fallait que je dise ce que j'avais à dire là-dessus. Surtout concernant nos frères, nos grands frères des partis d'opposition et nos amis pédégistes. Donc, je vous remercie d'avoir pris la peine d'écouter cette vidéo jusqu'au bout. J'en ferai d'autres. Il est presque 1 h du matin, je suis un peu fatigué. Mais pour le Gabon, je suis toujours disposé. Je vous remercie.